pays, moi. Faut me retourner. Oh, exil. Pourquoi ai-je choisi d'être romancier? Bien sûr, parce que cette activité me plaît, que la création romanesque me permet de trouver ma part de joie et d'en offrir un peu à mes compagnons de rêve et de galère. Nous, les jeunes d'alors, on l'adorait. Il avait le verbe haut qui appelait à l'action, à s'organiser pour la terre promise. Je la veux belle. Je crois avoir trouvé ce qu'il faut faire pour la transformer. Ce sera dur, parce que nous ne sommes pas nombreux. Il avait écrit une fresque où un prolétaire et le soleil se tutoyaient. Puis coup sur coup, trois autres œuvres flamboyantes, sans compter les textes politiques qui nous parvenaient et qu'on lui attribuait. Notre peuple en a assez de tirer des coups de carabine sur le bel air depuis 150 ans. Notre pays est en banqueroute. Tout s'effondre autour de nous. Il faut se redresser ou périr. Ce style-là ne pouvait être que de lui. On avait su qu'il était parti, malgré l'interdiction du tyran, puis qu'il était revenu, car il ne se résignait pas à l'idée de vivre loin de son pays et de ne pouvoir y aller et venir à sa guise. Dans quelques pays civilisés, il me plairait de vivre. Je crois pouvoir dire que je serai accueilli à bras ouverts. Mes morts dorment dans cette terre. Je descends par deux fois, en ligne directe de l'homme qui fonda cette patrie. Aussi j'ai décidé de vivre ici, et peut-être d'y mourir. Et puis la nouvelle tomba comme un couperet. Il avait été capturé et porté disparu à son retour. Il n'avait pas encore 40 ans. C'était la veille de son anniversaire. Je ne me suis jamais fait à l'idée de sa disparition et de sa mort sans sépulture. Je suis reparti sur ses traces, 50 ans après, avec un groupe de jeunes, essayant de comprendre ce qui était arrivé ce 21 avril 1961 et les jours qui suivirent. Nous avons été à la recherche de tous les témoins encore vivants, en Haïti et à travers le monde. Chaque partie vers peut-être juin, juillet de l'année 60. En août de la même année, si vous venez arrêter Joe Rooney, la Kylie avec un groupe de lycéens. Et c'est ça, c'est l'arrestation de Joe Rooney qui pourra provoquer la grève des étudiants. Bernard était membre du PEP. Mais moi-même, j'ai fait théâtre avec lui. André, dis-moi, mais Bernard, soit fait arrêt toujours. Il dit ça qui passe. Il dit pas qu'on est arrêté. Il a arrêté un bon nègre. Il a arrêté Joe Bernard. Et Émile Olivier, il semblait que l'heure où il connaît Jacques parti, et ça alertait le gouvernement, et le gouvernement a cherché qu'on ait comment Jacques parti. Il est sorti de chez moi, c'est monsieur qui est venu le chercher. Il va à l'aéroport, l'heure du passager à bord. Jacques, faut filer quoi? Mais c'est Bernard qui remplit toute formalité. Les arrêtez-moi, je mène d'abord dans la cafétéria, c'est là que. Et il interrogeait, moi, c'est mon qui interrogeait, c'est Franck Beauvoir. Il mettait devant porte, devant figure, moi, ce bureau-là, journal, le Nouvelliste, qui était gagné, fac-similé passeport, me l'a donné. Et
qui annonçait que Simone Bajak passeport. On apprend même que monsieur quittait Haïti, qu'il a fait l'Europe et qu'il a été en Chine. Des fois passer Cuba. Alors les Cubains me disent, on l'a aidé à faire une infiltration en Haïti. On voulait dire Castro. De Cuba étant, il est rentré clandestinement en Haïti. Les Cubains l'ont déposé du côté de Bombard de police dans le nord d'Haïti. C'est se sabía que venía una invasión. Se estaba denunciando por Fidel, se estaba denunciando por nuestra prensa que venía una invasión para Cuba. ¿Cuándo venía? No se sabía. ¿Por dónde venía? Tampoco se sabía. Y me imagino que él trató de salir para Haití antes de que llegara la invasión estadounidense a Cuba. Entre otras cosas, podía haber su pensamiento de que abriendo él un frente en Haití podía ayudar a Cuba también en la lucha que iba a enfrentar este país contra los americanos y contra los cubanos que iban a desembarcar en nuestro país. Ya tendrían que pelear en dos frentes. ¿Por qué piensa usted que es tan difícil encontrar las trazas de Lexer? Es que este fue un momento muy temprano de la revolución. Estamos hablando prácticamente dos años después de la victoria revolucionaria. Aún no se habían constituido las instituciones que después ejecutarían este tipo de actividad de apoyo a los movimientos de liberación nacional, de entrenamiento guerrillero, etc. Lógicamente la revolución cubana, cuando triunfa, tiene un profundo sentido antidictatorial. Es decir, regímenes dictatoriales como los de Trujillo en República Dominicana, Duvalier, Somoza, se sintieron amenazados por la revolución cubana, que había triunfado un año después de la caída de Pérez Jiménez en Venezuela, y esto se veía como un movimiento antidictatorial. Instintivamente, las fuerzas progresistas y las reaccionarias percibían a la revolución cubana como un factor que iba a actuar contra esos regímenes. Hubo muchos jóvenes como yo que estuvimos envueltos en planes de expediciones. Pienso que ya que Stephen Alexis, para haber contado con ese apoyo en ese momento, debe de alguna manera haber contactado con el comandante Ernesto Guevara, que era quien se ocupaba desde los primeros momentos en la ayuda al movimiento revolucionario. Qu'était devenu Alexis? Parce qu'on ne savait pas. Pendant à peu près 2 ou 3 ans, je me souviens de visites que ma mère faisait à l'ambassade. Et aucun des ambassadeurs en poste à l'époque, je ne me souviens même pas de leur nom. Enfin, on était sous gouvernement duvalieriste, n'a jamais répondu à son attente, à ses demandes. On n'a jamais pu obtenir. Rumeur, tu as commencé à courir là, ça, que monsieur était tombé dans mes macoutures depuis dans le nord-ouest. Il a été arrêté du côté de la rivière des Grèches en entrant à Bombard de police. Il croyait tout possible. Et il rentrait dans son pays, et deux petits messieurs qui étaient en exil autour de Néo-Vépierre, Guy Béliard, que j'ai très bien connu. Yo, dis, yo, pas prêter quoi? Y'a pas vu la clé. Y'a un grave livre, domaine d'une non sous-marin, de débarquer le monde. Alexis est originaire de Gonaïve, il avait de la famille, il connaissait des gens, il voulait arrêter à Gonaïve pour entrer dans le pays et commencer à fomenter une révolution. Il est entré avec près d'un million de dollars pour faire mouvement. Monsieur prend un petit canot avec 4 ou 7 nègres et puis il vit sur la plage du Bombard de Roulis. On m'a dit qu'il va entrer, qu'il débarque à Bombard de Roulis, s'il ne veut pas aller le rencontrer parce qu'il ne rencontre personne dans la zone. Ma fait réservation sur le bâtiment, qu'il pourrait passer dans le compte là, passer Jean Rabel, continuer. Levé trop tard. Ils perdent du bâtiment. Donc ils ont débarqué au Mont-Saint Nicolas, ils ont vu des paysans. Ils voient des paysans qui passent avec une ou bien deux chevaux ou bien deux bourriques ou bâtonnets. Ils demandent les gars, louer les chevaux là. Ils prennent les gars comme guide. Les gars garés dans la ville là, c'est mon nez qui débarque là. Rien n'a pas qu'être là, je viens de la ville. Les salles de monsieur comme un commis sous côté là. Je dis moi, je viens avec la caserne. Mais c'est là où tu es venu, monsieur. Oui, c'est la caserne. Moi, appelé les salles,
en chemisette presque, pour que même pantalon sous presque. C'est pour moi qui t'a vienne faire débarquement pour venir jeter tout comme c'est la vienne faire invasion. Bon sont imbécile mon nez pour t'a vienne faire invasion avec quatre monde. Les gens qui l'ont arrêté sur la plage de Bombardopolis où il a été pris, je pense pas qu'il l'attendait sur la plage par hasard. Tu te connais ces messieurs Jacques Stéphane Alexis. C'est hier. Américain était au courant. Probablement. Before he left on his trip clandestine, he was out. I had a place at the beach, La Mer Frappe. I used to go out at even lunchtime. He was swimming, and we had a talk in the sea, which was unrecorded. So one of the reasons I did the Prix de Sang was to find out what had really happened to Jack, because I published in Papa Doc a version I had. God, I understood it was really from the government that the people had stoned him to death. En ma présence, le Guillou s'est servi d'une corne de l'envie pour frapper Jacques Stéphane Alexis Areille. L'autre version dit que mon bateau gâte côte qui était voué pour au moins une pointe, je mettais eux. I spent a lot of time using all military sources and finally found out the captain of the Coast Guard who was called in to go to Mont Saint-Nicolas and pick up some people. He was just a bus driver, but he recognized one of them who lived in Wavenard near him. And Jack Stephen Alexis, of course, he didn't know Jack. Il était 7h du matin, le bateau a dérapé avec. He said they served them orange juice. They had orders, don't touch. And when they arrived at the guard coat at Bizotone, and they were put in the police wagon. Le cimetière, il y a un bel. Donc, il était sous l'obédience. Ils ont lui éteint tout. C'était pour l'argent de Jack Stephen Alexis. C'est pas à toi que j'apprendrai ce que c'est que la rumeur en Haïti. En plus, sous dictature, je pense que ça s'est énormément amplifié. Moi-même, j'ai toujours entendu que j'étais abouti et l'enfant dimanche. Et alors qu'on a mis qui était en prison, fort dimanche, tout, qui dit que peut-être que l'ITU mettait monsieur là en cellule à côté. Il y en a qui étaient ensemble avec moi. Il y a dit moi que qu'on est rentré hier soir. Il semblait que nèg qui rentrait là, il bat monsieur. Monsieur dit que nèg là bas non, il dit Jacques c'est fait d'Alexis. Et monsieur permettre que monter sur épaule lui. Moi ouais mon même pas reconnaître Jacques. Me dit soleil parce que c'est non madame monsieur Terrelé, c'est comme ça madame monsieur Terrelé le soleil. Le monsieur fait regarder moi. On nous pas de foutre reconnaître les airs monsieur. Il va être oui instruction. Bye Bobert. Quitté dans le dimanche, il occupait Jacques Stéphane Alexis, il avait besoin de la recherche. Il y a une menée, Jacques Stéphane Bali, il saisit. Il dit, ça va vos cadavres, nous venons dans moi là. Il est tout ça, fait pour tout qui veut le Bali, pour le mener la ville, le monsieur même. Devant tout monsieur, Duc Désir, et Garnier, colonel Garnier, il était officier administratif, Biambi, il questionnait Jacques Stéphane Alexis, dans ma présence. T'es qui quatre revolvers, la caille, donc, par contre, qui m'a fait venir déménager et on trouvait que côté nous était pratiquement voisin de Chauvette. Alors, je décidais de déménager. Et puis, dans le cas où je me suis envoyé, je décidais que je ne pas le faire au passeport. Parce que, avec les anciennes lois, on n'a pas le droit d'un passeport sous autorisation maritale. Donc, je dérapé. Mal fait pour mal faire au passeport sous le nom d'André Roumer. Et ça a été le déclenchement Chauvet qui était venu appeler moi. De loin, tu vois. Et puis, je suis venu, le débat qui est au c'est Chauvet, Héloïse, le Luc Désir, et puis, Tassi, pour tous les quatre chita. Et puis, on met au campé devant eux. Et quand on fait ça, ça veut dire bâton. Et il y a bon, des calottes marassa, c'est-à-dire que je vais me couper les dos et puis. Il faut tout calottes marassa, c'est l'ensemble de pommes pétées. Donc c'est ainsi que m'aboutit le dimanche. Même je passe 7 jours. Il semblerait que y un monde qui a dit Duvalier, mais il a arrêté Nias et Mille Roumer. Oh, Duvalier était fou pour tout Emile. Donc après 7 jours, il y a la guerre. Même pour un seul refroidissement. Puis après ça, la maladie des prisonniers, tout ça. Il y a quelques années que je me suis de bonne santé, tu vois. Et il a fallu beaucoup d'années pour que je ne me dégaine. Parce que chaque fois que je me dis le docteur, il me dit que c'est nerveux.
Je que ça, ça te semblait que c'était nerveux vraiment. Mais pas nerveux, non? Est-ce qu'il est mort tout de suite après? Est-ce qu'il est mort à l'hôpital de Kazen de Saline ou de n'importe quel hôpital? Est-ce qu'il a été tous ces fusillés? On chaîne de témoignages. Nous partis de Claude Laouer, Bernard Célestin et Erasimo. Son jour soir, on a parlé du régime du Valier. Puis, monsieur Della, monsieur dit, elle est, je tape fusillé, Stéphane Alexis. Tout le temps de l'eau, je te mène chaque Stéphane Alexis à l'autre côté. Fusillé, le dit. Je dis plus, parce que ça. Je dois révéler que, je mets une gueule dans le poteau d'exécution, Duvalier lui-même fait autant ni juste après-midi. Je dis, on sait des moments de humiliation. Jacques-Stéphane Alexis dit, j'ai fait honneur à mon pays. J'ai écrit des livres destinés aux enfants de l'avenir. Duvalier répond, François Duvalier n'écrit pas de livres et donc ne fait pas honneur à son pays. Feu. Stéphane Alexis, après la visite, n'est-ce pas qu'il te fait la palais? Pas passer 3 jours, mais c'est pas de me connaître, c'est un autre situation. Après, il y a eu autour d'Alexis des affabulations tellement graves, dans tous les sens. Il y a une légende, tout le monde croit savoir. Moi, je pense que Jacques-Alexis n'est jamais arrivé jusqu'à Port-au-Prince. Je pense qu'il est mort sur place, et la suite nous a donné raison. Les gens qui avaient été chargés de son arrestation, et l'un d'eux qui a pris l'exil avec un papier qui était la liste des effets personnels de Jacques Alexis quand il a été arrêté par les militaires. Dans la recherche, je fais une lettre. Alexis, t'es écrit. T'es écrit. Ouais, sur ma promotion de 22 médecins, 19 vivent en terre étrangère. Moi, je reste en dépit des offres qui m'ont été faites et me sont faites. La désolante et pitoyable vie politicienne qui maintient ce pays dans l'arriération et le conduit à la faillite depuis 150 ans n'est pas mon fait. J'en ai le plus profond dégoût. Toutefois, vous comprenez, Monsieur le Président, que je tiens à savoir si oui ou non on me refuse le droit de vivre dans mon pays, comme je l'entends. Monsieur les confrères, si dis-moi Ahmed Ben Youssef, sultan Maroc là, que monsieur t'ai répété. Je dis, nous sommes les enfants de l'avenir. Déclaration Erasimo Feyo. Il reproduit exactement phraséologie, mot Jacques-Stéphane Alexis de Rémy, l'avenir, les enfants de l'avenir. Était cette fin prémonitoire qu'il annonçait 15 ans avant, alors qu'il avait 24 ans, dans cette lettre depuis Londres à cette jeune fille Denise, dont il était tombé amoureux? Surtout, surtout, vous qui vous dites mes amis, et vous tous, mes camarades, ne jugez pas, n'essayez même point d'interpréter. La nuit est trop noire. Je serai parti comme le vent, vire vers la haute mer, vers l'écume la plus lointaine. Je serai parti sur la pointe des pieds sans faire de bruit, pour ne pas cesser d'entendre vos rires. Cette lettre s'intitule « Dernier message ». Il avait une culture fantastique. Et puis avec ça, il était simple, hein, gentil. Alexis a été élevé dans une ambiance très cultivée, qu'incarnait Stéphane Alexis, son père. Papa, monsieur, son grand écrivain. C'est un homme très cultivé, très agréable à écouter, mais j'aimais pas toute cette génération d'intellectuels haïtiens d'autrefois, qui étaient très sermonneurs, très académiciens, tropicaux. Il a écrit un bon livre qui était « Le nègre masqué » en 1933. Papa a écrit des choses de toutes ses ouvertures, de Salines. Tout le monde aimait écrire Jacques, mais mon préfère, papa. Je les ai vus dans un dîner ensemble, n'est-ce pas? La complicité extraordinaire qu'il y avait entre les deux. C'était plus que des rapports de père à fils. Il adorait sa mère, qui est morte, pas tellement jeune en fait. Sa mère était d'origine dominicaine, s'appelait Lydia Nunez. Stéphane, ambassadeur à Londres, sous-estimé. Donc Jacques, lui, faisait assistant étranger. Alors, la salpêtrière, c'est là le fait neurologie. Et puis il tenait que estimé, croisé syndicat, il rentrait en Haïti, il vint pester contre estimé, fait chouer. Donc là, le tourné, Stéphane coupait les vivres. Et mon père avait des amis hongrois qui étaient chapeliers. Alors il s'est mis chapelier.
Ma mère était militante de jeunesse communiste après la guerre. C'était une petite fille au début de la guerre, c'était une adolescente à la fin de la guerre. Elle a rencontré mon père dans un bal des jeunesses communistes. Mon père est venu inviter ma mère, qui était une ravissante rousse aux yeux gris. Et puis voilà, ils sont tombés amoureux. Je crois 49 ou 50, ils se sont mariés. Mon père était à l'époque interne. Comme beaucoup de jeunes médecins encore en apprentissage, il faisait beaucoup de gardes de nuit. Donc il avait ses journées libres et il écrivait. Il ne s'agit pas de témoigner seulement pour le réel et de l'expliquer. Il s'agit de transformer le monde, chacun œuvrant particulièrement dans la sphère qui lui est propre. L'artiste doit prendre parti. Il doit être un combattant. Maman me dit, moi, dès qu'on a dansé, dans le bal, c'est on a guidé, mais vive. Monsieur, dès qu'on quitte manger, monsieur, dès qu'on coude. Roman, c'est pas comme si on était seulement docteur, qui était écrivain, ou qui était homme politique. C'est quelqu'un qui était très manuel. Donc, par exemple, si ma coude, il vient faire roulette, il monte bouton, il peinture, il compte faire tout, et puis, remet fleurs. Son tribu me joue à papa, la plupart des tableaux que je fais, et je me toujours chercher un lien entre œuvre et puis sinon approprié, en pile fois, c'est les noms que j'utilise. Par exemple, j'ai un tableau qui est le concerto au soleil, mais c'est vraiment romancé aux étoiles. Vraiment pile ça Jacques-Séphène Alexis écrit, me senti et que ça m'était capable briller ou intellectuel organique, mais c'est pas vraiment œuvre roman monsieur qui pi fort qui frappe moi. Il y a deux bails monsieur écrit qui frappe en pile. Un exemple de un roman monsieur, c'est bon bon lettre écrit à Florence petite li côté comme ça mais tout haïtien li lettre ça sorti lettre tout petit. Je puis te donner vois-tu ma petite fille. Quelque chose que je connais bien, pour l'avoir éperdument cherché et trouvé, tout en continuant à la chercher. C'est le sens de la pureté du cœur, de l'amour de la vie, de la chaleur des hommes. Oui, j'ai toujours abordé la vie avec un cœur pur. Et surtout, n'oublie jamais qu'un être humain, c'est avant tout une intelligence. Quand on laisse dormir son intelligence, elle se rouille comme un clou. Et puis, on est méchant sans le savoir. Pour moi-même, Jacques-Séphène Alexis, son nez qui font énorme travail de rassemblement de tête-li pour le tourner un individu qui campait, un individu intégral. C'était pas quelqu'un qui avait unifié sa vie. Il était partagé entre Haïti et la France. Il était partagé entre le combat politique et la littérature. Nous qui patrouillons aux frontières de l'humain, nous qui explorons les lacs de l'effroi, nous les amis du cœur misérable, nous nous découvrons quand le néant pond ses œufs dans les blessures. Nous ne répondons alors de rien. Moi, quand je découvre Alexis à 17 ans, je le découvre par un roman. Moi, je me découvre Jacques-Séphène Alexis tout jeune, dès peut-être 14-15 ans. À cet âge-là, c'est l'âge où on croit dans les mythes et puis aux hommes plus grands que nature. C'est comme ça que nous délire les hommes musiciens et surtout au moins c'est aux étoiles parce qu'on est au monde. Pas dit, personne ne veut gagner au moins c'est aux étoiles. Oui, oui, il veut gagner. Il veut les hommes musiciens. Il veut gagner les hommes musiciens. Mais pas l'espace d'un ciment. Il veut gagner tout. J'essaie d'être le chroniqueur de mon temps. Je suis décidé à continuer. Il faut que dans mon œuvre entrent d'une manière objective les choses qui se sont passées et qui passent maintenant. C'était un garçon exceptionnel. D'abord, par sa curiosité intellectuelle. C'est l'homme qui n'était pas son bagage pour ne pas opiner. Il était aimé communiquer connaissance. Il était aimé que je n'apprenne en pile de lit. Il y a cette espèce d'écriture encyclopédique quand on lit Alexis. Comme médecin, il s'intéressait à la science. Donc il s'intéressait à Einstein, à la physique quantique. Donc il recherchait constamment à savoir davantage et dans tous les domaines. Il était un grand joueur d'échecs, ça c'est certain. C'est un mon homme qui bouillonnait d'idées, n'est-ce pas, d'images dans son discours. Je me sens qu'il y a un égo là quand même, monsieur. C'est-à-dire, j'ai un intellectuel constipé, on n'est pas sous l'embouchure, on n'est pas prendre rien de haut. Jacques, il y a une capacité d'absorption et une capacité d'analyse extraordinaire. Quand j'arrivais chez lui, rue Pelleport, je regardais sa table, je ne revenais pas en voyant l'ouverture de sa curiosité.
Jacques, c'est ça me trappé dans Haïti, je dis chez lui. Tout le monde admirait ses qualités de tribun. Il était svelte, charmant, agréable, poli. Grand, avec des nerfs très solides et très musclés finalement. De visage, il n'était pas beau, mais il avait un visage intelligent, un visage qu'on n'oubliait pas. Tu sais, le jour où on était belge en Haïti, les gars sont tellement mieux qu'on vit un petit jeu dégoûté. C'est-à-dire, on ne pas voulu aucun, parce que tout d'ailleurs, ils ont pratiquement bête, mais sous, c'est un coup de chien. Vous t'as imaginé que son bail qui est agréable, c'est pas vrai. Donc, Jacques, c'est un bagage que pas de moi. Je peux dire qu'il m'a appris beaucoup de choses. Maman, ma tante m'a toujours dit que si papa m'a au bagage ou pas comprendre, ou pas jamais comprendre encore. Si j'avais passé 10 ans à l'université dans différentes disciplines, je n'aurais pas tout appris. D'ailleurs, il y a certains auteurs que je n'aurais pas lus si je ne l'avais pas connu. Le premier livre pour moi, c'est La guerre et la paix. Lui dit même, c'est la première fois dans l'histoire de la littérature que vous faites un héros romanesque, l'aide. Pierre Bezoukhov. À l'époque, je n'y ai pas connu d'aventure. Quand je me rencontrais, lui, il m'a jamais connu toute sa vie. Le samedi, je marchais à pied à 11h du soir. Nous étions les piétons fameux. Donc, nous allons au cinéma. Après ça, nous montons la Caïman ou elle rivière à pied. Il y avait les éditions Brentano à New York. La famille Brentano était une des plus grandes familles américaines du point de vue financier après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette fille Brentano venait parfois à Paris. Et Alexis m'a dit tranquillement qu'il avait couché avec Mademoiselle Brentano. Bon, moi j'ai eu des doutes, mais je me le suis reproché après parce que pour m'enlever tous les doutes, il m'a dit demain, je prendrai le thé avec elle au Fouquet's. Viens discrètement. Et j'étais, en effet, j'ai vu Alexis en compagnie d'un personnage de rêve qui portait un manteau de vison blanc, qui était une fée. Et Alexis, quand il la ploutait dans le café. Il a eu des aventures, tu vois. Mais c'était un amoureux. C'était pas un lapin. Françoise l'adorait parce qu'elle était éblouie par son savoir. C'était une femme humainement extraordinaire et intéressante et absolument charmante et belle. Elle était tout à fait modeste. J'ai vu qu'il a été très dur vis-à-vis de Françoise. Françoise nous a fait des confidences à ma femme et moi quand il a voulu divorcer. Mon cher cœur, tu m'as abandonné sur le quai d'une gare, agitant mes doigts comme un enfant qui joue, sentant l'eau vive de tes yeux à mes yeux. Si c'est pas beau, ça. Il est venu pour les vacances. On les vacances d'été à Londres. Tu m'as laissé parmi les tonitruances d'une gare qui reste à ma mémoire comme un haut lieu de fantasmagorie, inventé par quelques vicieux du genre d'Oscar Wilde, par quelques Hamlet en transe, par un être livide en tout cas, plus livide qu'Edgar Poe. Tu m'as laissé mes jambes flageolantes, ton visage fuyait dans un cadre de verre au bout des portées de rail, et je restais là, stupéfait et stupide. J'étais amoureuse, j'avais laissé mon amoureux à Port-au-Prince. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai connu quelques-unes de ses maîtresses qui étaient des femmes de haut vol à Paris. Et ça, j'étais témoin. Il avait du charme. Hein. Il avait beaucoup de charme. Beaucoup d'entre gens. Il était un homme du monde. Quand on a déjà pour la première fois, nous avons une discussion sur l'affaire du créole. Parce qu'à l'époque, dans le pays d'Haïti, c'était un problème sur le créole dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'il y a un qui doit parler dans le pays d'Haïti? Qui est-ce qui doit éduquer dans le pays d'Haïti? Est-ce que c'est créole ou bien est-ce que c'est français? Fondé sur les discussions qui durent chez nous depuis près de 30 ans, le créole est bien une langue et non un patois. Bien plus, le créole est un outil souple et perfectionné qui permet de rendre compte de toute la réalité actuelle d'Haïti. Il y a deux événements qui ont influencé au début l'opinion de Jacques. D'abord, c'est le conflit Jacques avec René Depestre. Et deuxièmement, c'est justement positionné sous salarié de la bourgeoisie nationale. Un groupe d'intellectuels du valériste gauchiste, pradisant, mettait l'huile sur le feu pour René Depestre, avec monsieur, ce qu'il a fait. Alors, son polémique qui pourrait durer longtemps, plusieurs articles publiés dans le Nouvelliste. De ma génération, il y avait des gens qui n'aimaient pas Alexis. Il y avait certains, comme Lucien Lemoine, par exemple, qui était un poète très attachant. Moi, j'étais très pris avec un homme comme Lucien Lemoine, qui était professeur dans le Conservatoire national. Là. Donc, position, monsieur, vis-à-vis de René, une position pas tout.
Et faut me dire monsieur Sonnet qui pas jamais Jacques non plus tout. Il me disait qu'il était conscient de la supériorité d'Alexis sur nous tous, que dans cette génération l'homme le plus intéressant c'était Jacques Stéphane Alexis et il avait raison. Tout de suite après il disait je ne voulais pas ressembler à Jacques Stéphane Alexis. Il avait une assurance, une confiance en lui-même, dans sa conduite qui choquait les autres. Sonnet qui fait bagage son théâtral. Si je devais parler d'un défaut qui me choquait même chez Alexis, mais qui n'était pas grave s'agissant d'un écrivain, c'est que souvent, on ne voyait pas la frontière, pas seulement dans ses livres, entre le réel et l'imaginaire. Bon blague, Roger Gaillard, que M. Dal dit, on côté que le con joue piano. J'ai invité M. Soir à manger, ou un cas là, on va comme ça, et puis on m'a dit, M. passe au piano. Je vais aller faire deux notes. En ma présence, il a dit chez des amis à nous qu'il est un grand skieur et qu'il faisait du ski dans les hautes montagnes d'Haïti, ce qui est encore plus grave. N'est-ce pas? L'OETRML, c'était extraordinaire. Et Sakra, il l'a tout. Donc, tu sais, il était indifférent à personne. Comme je l'aimais beaucoup, du point de vue affectif, j'admirais tellement ses qualités d'écrivain, de culture, sa curiosité intellectuelle, me fascinait. J'essayais de comprendre qu'il était en perpétuelle création, pas seulement quand il était à sa table de travail devant la feuille blanche, mais dans les conversations aussi. Je pense que Dépès, qui était considéré comme le grand poète haïtien, etc., il battait un peu froid Alexis. Et une forme de jalousie, peut-être littéraire, j'en sais rien. J'avais débarqué dans la vie littéraire avant lui. J'étais un jeune homme qui avait eu la chance de faire une percée littéraire dans la vie haïtienne sans rien devoir particulièrement à qui que ce soit, n'est-ce pas? Sinon peut-être à Aimé Césaire qui n'était pas haïtien, n'est-ce pas? Ça n'a jamais très bien collé entre eux. Individuellement, moi, j'avais pas de sentiments de jalousie littéraire vis-à-vis de qui que ce soit. Le Dépès passé en Suisse, à Berne, c'est une Dépès personnellement demandé pour une lettre à Jacques. Le Dépès dit, mon cher, moi-même, je ne suis pas un marxiste qui m'assure la corde raide, je suis un poète sentimental, je n'ai pas besoin de contact avec Jacques. Jacques prend plume, il répond, je n'ai pas oublié ça, calmement, je ne mords pas la main qui m'a fait du bien. Fois ça, fait public l'acte en faveur de ce. Au moment où Alexis a débarqué dans la vie intellectuelle, la notion d'humanisme était déjà discréditée après la Deuxième Guerre mondiale et puis l'existence des camps, la Shoah. Ça, ce sont des événements historiques qui ont discrédité l'humanisme tel qu'on le concevait chez des hommes comme Gide, comme Valérie. Et je pense qu'Alexis l'avait déjà vu parce que quand je relis, comme je l'ai fait plusieurs fois ces jours-ci, son texte, La belle amour humaine. Heureuse année à mon ami l'homme. Heureuse année aussi à ceux qui se cherchent et ne se trouvent pas encore. Heureuse année aussi à ceux qui ont trébuché dans le chemin difficile. Heureuse année quand même à ceux qui ne croient à rien, même pas à eux-mêmes. Heureuse année, bien sûr, à tous ceux qui souffrent, luttent, espèrent et croient toujours. Que 1957 soit un rayonnement de lumière, de sourire, d'amour, de liberté, de douceur et de paix sur le plus beau visage que nous connaissions dans l'univers, le visage de l'homme. 1957 peut être une grande année de la belle amour humaine. Ce texte est à relire, ce texte est rempli d'affirmations pan-humanistes, n'est-ce pas? Et qui rencontre aussi des contradictions de l'homme, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que moi j'ai voulu prendre en considération les propres traditions d'Alexis quand je parle de lui, parce que ça m'avait beaucoup frappé comment il avait su rendre féconde ces contradictions. Des hommes comme Shakespeare, comme Tolstoï, comme Alexis, comme Jacques Roumain, qui rendent fécondes les contradictions, les négations,
qui nous empêche d'avoir une vue manichéenne des relations humaines. C'est comme ça que je vois Alexis, n'est-ce pas? Et je parle d'Alexis lui-même pour tenir les propos que je tiens en ce moment. Je serais incapable de les tenir si je n'avais pas fréquenté dans ma jeunesse et toute la vie, parce que je n'ai jamais perdu de vue. Et Alexis, je l'ai lu pendant toute ma vie. L'expression « la belle amour » maintenant, il y a un pile bagaille. D'abord, il y a un mot cri la donne, puisque en français officiellement, amour au singulier, t'as supposé. Masculin d'après un règle, donc déjà le balancer règle là, et lui, il y a une tradition poétique, en pile poète, t'es fait ça, mettez amour au singulier féminin. Ensuite, leur lit, monsieur, la belle amour humaine, son espérance de monde, côté la vie à partager qui vient. Nous étions donc en 45. Voilà que à cette époque-là sort une bombe qui s'appelait Étincelle. Mes amis et moi, on se demandait qu'allions-nous faire de la jeune renommée que j'avais. Il faut que ça soit utile quand même au pays et à notre génération. J'ai vu Jacques arriver, parce qu'on se voyait tous les jours, en brandissant Étincelle, le recueil de René Despeyses, venant vers moi. Et moi, je l'avais déjà. Mais j'avais caché dans mon dos, quand il est arrivé, j'ai sorti mon recueil, j'ai dit, tu vois, je suis déjà au courant. Il m'a dit, c'est fabuleux, il faut absolument que tu prennes contact avec lui, il faut le ramener dans le groupe. Et j'avais lu dans les années 40, une petite revue que publiait Jacques-Stéphane Alexis à la faculté de médecine, qui s'appelait le cas du C. C'était une publication corporative qui défendait les intérêts des étudiants, mais de temps en temps, je trouvais des accents sous la plume justement de Jacques-Stéphane Alexis. Je me dis, j'avais l'œil sur lui, mais sans le connaître, je le voyais de loin, et on n'appartenait pas au même milieu social. À l'époque, c'était très strict la séparation entre les classes sociales, il faut le dire. Nous sommes de Jacmel tous les deux, et nous avons avancé, on a descendu vers le Champ de Mars, et je lui ai dit, il faut que je te présente un type formidable. Il dit, Jacques-Stéphane Alexis. Il dit, quoi? Le fils de son père, etc., cette espèce de bourgeois, ce politicien. Je faisais un constat, mais en Haïti, ils l'ont pris mal. Ils ont dit que j'avais reproché à Stéphane Alexis d'avoir été trop proche de son père, de quel droit j'aurais fait ça, non? Ah, j'ai dit, écoute, mon vieux, personne n'est responsable des actes de son père, lui, je te dis que c'est un type bien. Et c'est ainsi qu'on a décidé de faire un journal qui s'appellerait La Ruche. Et donc, on est devenus vraiment trois amis. Becker avait déjà créé une petite feuille qui s'appelait La Ruche. Comme il fallait déclarer des trucs à la préfecture de police, donc nous avons décidé, puisque c'était déclaré, de ne pas faire la demande pour ne pas réveiller les soupçons de la police, de prendre cette feuille et d'en faire vraiment le journal La Ruche. Et c'est ainsi qu'on a fait le premier numéro de La Ruche, avec une chronique de Blancourt, une chronique de Jacques-Stéphane Alexis. Moi-même, j'avais adopté aussi une chronique qui s'appelait Ma Semaine, et puis il y avait les éditoriaux de Becker. Le troisième numéro, je pense, était consacré à André Breton, qui venait d'arriver en Haïti, et le journal a été saisi, et c'est à partir de là que les événements se sont enclenchés. On avait eu des informations sur le mouvement surréaliste l'année précédente, avec le séjour de Césaire en Haïti. Donc pour nous, c'était une occasion extraordinaire de rendre hommage à André Breton avec l'idée d'attaquer le régime. Despeyses et Becker ont été arrêtés. Becker était le directeur, moi le rédacteur en chef, et ils nous ont mis envoyés en prison. Jacques et moi, nous avions prévu le coup, nous étions réfugiés chez des amis, et nous avons déclenché une manifestation sur le Champ de Mars devant la statue de Dessalines. Une bonne partie de la population a réclamé notre libération. Et la police est arrivée à charger, et ils ont matraqué, ils ont arrêté des gens, et nous on a réussi à s'échapper. Magloire nous a convoqués avec le capitaine Prosper. Magloire qui était alors le principal militaire proche de l'ESCO. Et on avait décidé de le liquider. Ça n'a pas pu avoir lieu parce qu'il est descendu dans des haies de militaires. Jacques n'a pas pu tirer. Moi, j'étais là pour le couvrir. On était armés tous les deux. Et il m'a dit, je suis un lâche, j'ai pas tiré. J'ai dit, de toute façon, tu n'aurais pas pu le tuer. Tu n'es pas un lâche. Aux casernes des Salines, ils nous ont dit qu'il fallait apaiser les choses, qu'ils allaient nous libérer, qu'on n'allait plus pouvoir, qu'on devait rentrer dans nos familles. Dès qu'on a été libérés, on n'a fait que reprendre le mouvement en main. On a organisé une grève des étudiants. C'est devenu une grève générale. Les commerçants tiraient les rideaux, fermaient les trucs, et la police est arrivée. On s'est battu avec les policiers dans les rues. On a reçu des bastonnades incroyables. Et du jour au lendemain, Alexis, Blancourt et moi, nous sommes devenus les leaders.
Quand il a fini d'écrire le manifeste du PEP, pas de moyen même faire pour le prince, ce sont les gars surveillés avec lesquels on prend manifeste là. Sous stencil, déjà tapé sous stencil, et puis on est rentré à Port-de-Paix. Et j'ai tiré peut-être un millier de manifestes. Nous mettions nos balettes, les mangues sur nous, nous mettions des bagages sur nous, nous mettions nos camions, et puis nous votions là, monsieur. Pour nous qui avons milité déjà, non. Et qui te compte des petits textes clandestins, nous, reprenons des interprétations que nous avons fait sous analyse réalité haïtienne. Non, c'était un texte véritablement imposant. Le secteur de gauche là, tu as deux tendances. Tu as une tendance, Marcel Gilbert, là, qui répond aveuglément à Moscou à travers le secrétaire général du Parti communiste argentin et le PEP de Jacques Tefenaliti. C'est pour contribuer à la solution concertée de la question haïtienne que le parti d'entente populaire, PEP, entre dans l'arène et s'installe sur des positions de combat. Certes, parfois, nous avons vu apparaître pour quelques saisons de prétendus partis politiques qui se résumaient en comités plus ou moins fantômes, sans liaison vivante avec les masses, servant en somme de tremplin à un homme ou à un groupe d'illuminés, incapables de dire clairement ce qu'il fallait faire, et surtout impuissant à réaliser quoi que ce soit de concret. Les types du PPLN, ils trouvaient que M. Tegui, c'est pas avec eux pour le devine boulet. Vous comprenez? Et qu'ils n'avaient pas aller créer un autre parti. En raison de divergences que nous avons gagnées, sous question d'ordre organisation, sous question d'ordre conjoncture, politique nationale et internationale. C'est qu'on sait de risques que M. Padvlé prend, que M. Tapé suggéré, et moi-même tout, c'est qu'on sait de risques que M. s'est suggéré, que M. Padvlé prend. Cela signifie que, vitalement parlant, il était très difficile pour, à ce moment-là, pour nous accorder. Il y a une chose que, par exemple, Jacques toujours reproché, dans le manifeste reproché, c'est ça les tracasseries du régime féodal. Contrairement à ça, en pile mon abdi dans le pays d'Haïti, que c'est la bourgeoisie haïtienne qui est responsable des ruines du pays, pour Jacques, ce sont des féodaux, ça serait les traîneurs de sable. C'est un Jacques. Jacques Talefi font analyse de Oswald Brandt. Oswald Brandt gagne deux aspects. Il y a un aspect compradoria comme spéculateur café, mais il y a un aspect bourgeois national, les productions d'huile, groupe toile bleue, savon. Vous comprenez? Il y a une compétition avec capitalisme international. Jacques reconnaît que la bourgeoisie oscille conservateur. Cependant, objectivement, la bourgeoisie haïtienne, secteur marchand et secteur manufacturier, ils gagnent un intérêt national. Parce que non seulement ils produisent pour le marché haïtien, mais ils gagnent des contradictions entre cette bourgeoisie, ce segment de la bourgeoisie, et avec l'impérialisme. Quand étaient arrivés les envahisseurs yankees, il, Habib Nara, avait vu les travailleurs, les patriotes, les paysans résister les armes à la main et mourir en chantant de vieilles chansons de la guerre de l'indépendance. Il avait vu les fusiliers marins de la Libre Amérique attaquer avec leurs armes automatiques de pauvres gens armés de machettes de travail. Il avait vu les civilisateurs assassiner les femmes, torturer les enfants, et crucifier vivants les insurgés. Jacques Padvlé nous a parti en non-parti communiste. Je ne sais pas de ça. L'on a analysé la situation pays pour nous. Je crois que les gens sont croyants. Et qu'en général, dans la tête des gens, le communiste, c'est un athée. Donc il faut éviter ça. Il vaut mieux avoir effectivement un bon parti d'entente populaire qui parle dans la tête des marxistes, mais en même moment, son parti qui est large, à tel point tellement large, que la bourgeoisie nationale pouvait en faire partie. Alexis Sonnet qui est à la fois dans l'universalité du communisme et en même temps dans un nationalisme culturel. Lorsque tu me dis comme je le vois comme homme politique, je le vois comme théorique qui a cherché à lier l'action. Moscou, le 29 mai 1959. Chère souveraine si lointaine et si proche, je t'aime. Ainsi commence ma chanson et ainsi finira-t-elle.
De ma table de travail, je vois cette merveille de l'art baroque qu'est la cathédrale Saint-Basile, la place rouge avec le mausolée Lénine-Staline. Il fallait maintenant mettre sur pied une délégation de 4 personnes parce que nous invités en Chine. Et puis nous disons, bon, on a fait ça. On a commencé par un syndicaliste, un paysan et un jeune. Bien sûr, Jacques Alessi, le chef de la délégation. On est resté peut-être une semaine à Montréal et puis Paris. Et de Paris, on a été à Berne, en Suisse, à Tanjac. Et c'est les Chinois qui ont payé l'hôtel et tout, tous les frais. On est resté à Tanjac jusqu'au jour où le téléphone sonne. Et puis, j'ai dit, allô, comment ça va? Il dit, Jacques. J'ai dit, non, mon chef, faut pas dire mon nom au téléphone. Il dit, ok. Il vient dans l'hôtel là, dans l'ambassade, nous manger, nous discuter. Et puis, 2, 3, 4 jours après, on fait Berne, Tchécoslovaquie, capitale. Nous arrivons à Prague. On fait 1 ou 2 jours, et puis immédiatement après, Moscou. Et puis on est arrivé 2 jours avant, ils ont retiré le cadavre Staline sous place rouge. Il était question qu'on se rende en Chine, à Pékin. De Moscou à Pékin, le mauvais temps a contraint notre avion à s'arrêter à Irkoutsk, en Sibérie, pendant une journée. Moi, ouais, une délégation d'Asiatique pour l'Israël. Là, ma délégation me dit Jacques, mais au Chimine. Non, mon cher Assoul, tu auras le temps de rencontrer les grandes personnalités de gauche. Hein? Pourquoi tu es si pressé parmi les gens qui accompagnent Ho Chi Minh? Il y en a qui dit, mais oui, c'est bien le camarade Ho Chi Minh. Et puis Ho Chi Minh dit, mais vous êtes des Africains. Ça dit, non, nous sommes des Haïtiens. Ho Chi Minh dit, des Haïtiens. Puis on a fait tout le trajet, Irkoutsk-Pékin. Et de Pékin, Ho Chi Minh, certainement, devait passer 2 ou 3 jours pour se rendre après au Vietnam. Pékin, nous mettons dans un hôtel, nous. Et puis nous avons un guide, il est Chaoxi, une jeune femme. Et puis là, nous avons un venu. Chaoxi dit, ça c'est le camarade, non, c'est ton. Et j'ai pu me rendre compte, pour la première fois, que Jacques était légèrement intimidé. Mais Jacques a pris son temps. Et pour le temps des Marocains qui a parlé, qui a pas des réflexions. Et là, il vient arriver, prendre son foie. Et puis il commence maintenant à répondre à Mao. Sur un paquet de sujets, parmi lesquels production de café en Haïti, sous fond révolution en Haïti, qui s'en a besoin, par exemple, ou même chinois, acheter l'an, mais on parlait de la petite industrie. Le Chaoxi traduisait. Et Mao écoutait ça avec beaucoup d'attention. Cher amour, je t'écris du centre de la Chine à Hankou, centre de l'industrie légère, où je suis arrivé tout à l'heure venant de Pékin par avion. Excuse-moi de ne pouvoir t'adresser que cette simple carte, mais je t'aime. Bonjour à tous et à l'héritier, ton mari qui voudrait t'avoir avec lui. L'arrivée de Pékin, pour moi, m'a été choqué, c'est de constater que des centaines de techniciens soviétiques laissaient la Chine pour entrer en Union soviétique parce qu'il y avait de grands conflits. Pendant la discussion avec Mao, il dit, Mao, écoutez, monsieur et camarade, c'est tout. Les linges sales doivent être lavés en famille. Parce que vous rendez compte qu'il y a des désastres que le conflit sino-soviétique a créé dans les pays sous-développés latino-américains, Haïti. Hein? C'est-à-dire qu'on parle de méfiance. Donc nous avons résolu le problème, ça y est. Il faut rendre compte des partis frères, c'est là qu'on va commencer. Et c'est là où j'ai un rôle qui est important. Où j'ai une opportunité dans le 85. Parti frère, ça y est tout. Et Mao demande Jacques pour lui qu'on rapport sur ça. Un grand rapport sur cette question. Ce que Jacques a accepté tout de suite. Mao était très impressionné. Mao était un sourire assez particulier. Et il passait dans la tête Jacques. Il dit c'est le premier noir aussi intelligent, aussi brillant que j'ai rencontré. Je suis le dernier orateur à prendre la parole avant la clôture du congrès. On m'affirme que c'est l'intervention la plus mémorable du congrès. Je pars pour Leningrad. Refus, invitations diverses. Mais j'ai accepté l'invitation de Mao Dung, ministre de la Culture de Chine, de me rendre à Pékin et dans quelques autres villes de Chine pour un séjour de 3 semaines. Dimanche, je vois 2 films, La Loi et un film antiraciste, Les Tripes au Soleil, qui ne peut sortir en France et dont notre compatriote Toto Bissin est la vedette. Du talent, cette petite, et du chien. Je te dis immédiatement que dès demain, je te télégraphie la somme de $60 pour payer les loyers. C'est tout ce dont je dispose pour le moment en devise. Essaie de te débrouiller avec ça pour le moment, cher amour. Et pour le reste, nous verrons après. J'arrive à Moscou à la fin de 1960. J'étais invité par le Parti communiste chinois. Je n'étais pas invité par les soviétiques. Hein. J'étais de passage à Moscou. À Moscou, on me dit que Alexis est là.
Son livre, Compère Général Soleil, a été traduit en russe, a beaucoup de succès. Il représente un nouveau parti qui est le Parti de l'Entente Populaire. Il savait que moi j'appartenais à une autre formation, petite formation de gauche exactement, qui s'appelait Parti des démocrates populaires, qui avait un représentant à Prague qui s'appelait Franck Rémy, un haïtien qui a travaillé à la Fédération syndicale mondiale. Donc ils m'ont dit, ce serait intéressant pour moi de rencontrer Alexis et de voir dans quelles conditions on pourrait peut-être unifier les deux petits groupements communistes, parce que ce n'est pas logique que dans un tout petit pays comme Haïti, qu'il y ait deux partis communistes qui n'ont pas de contradictions dramatiques graves, ce qui était très logique. Je dis, ah oui, moi je ne demande pas mieux. C'est ainsi que, la veille de mon départ pour Pékin, je rencontre Alexis. On vide notre querelle et on passe toute la nuit à discuter. On arrive à un accord. Alexis et moi, on voit qu'on devait tenir une conférence, soit à Prague, soit à Moscou, dans les mois ou l'année suivante, n'est-ce pas, pour unifier le mouvement haïtien. Qu'on ait une seule direction, un seul parti. Depes, c'était le gros mec haïtien de Cuba. C'est lui qui faisait l'appui au beau temps. Parce que moi, j'étais très proche des vieux communistes cubains que j'avais tous connus à Prague au temps de mon exil, n'est-ce pas. Et Depes ne l'a pas aidé. Depes lui a battu froid, d'après les informations que j'ai eues. Mais Alexis, à ce moment-là, ne me dit pas que déjà il avait un projet d'infiltration en Haïti. Et quand il est repassé à Paris, il m'a rencontré. On est qui parti clandestinement, personne ne sait contre quel parti, et puis il est arrivé à l'étranger, il a fait déclaration, etc. etc. Il est livré en France, il est barré interview à l'humanité, donc apparemment, information vient du gouvernement. Et il m'a dit, je vais à Cuba. Alors je lui ai dit, je viens avec toi. Il m'a dit, ah non, toi tu as trois enfants, là tu restes là, je te ferai signe. Tout ça, j'ai su qu'il était parti à Cuba. 50 000 dollars en espèces qu'il a reçus de Khrushchev. L'idée de Jacques, c'était d'avancer pour pouvoir posséder la formation et une conscientisation de plus en plus large. Avec cette somme, il a pensé qu'il pouvait faire beaucoup de choses en Haïti quand on a 50 000 dollars en poche, n'est-ce pas? Il pouvait infiltrer pour l'organisation du parti en Haïti. Sur le plan général, il est facile de comprendre que dans un pays semi-féodal où le pouvoir personnel s'exerce traditionnellement sans aucun contrepoids, les individus ont beaucoup plus tendance à s'attacher à des sauveurs qu'à des idées politiques précises et à la lutte de masse structurellement organisée. Je pense que c'est un homme à la fois d'héritage et de rupture. Héritage, effectivement, de cette littérature haïtienne qui constitue un véritable vécu. Dès que vous voulez lire, vous voulez écrire, même souvent quand même à disposition pour écrivain, et non Alexis et non Roumé, c'est de Marassa. Mais Alexis nous a décomplexés en nous apprenant à écrire et en nous prouvant que nous pouvons aussi, tout en état haïtien, écrire très bien dans toutes les langues que nous parlons. Alexis, c'est un homme qui dénie Zem, c'est-à-dire qui retire une sorte d'imbécilité heureuse. Ça qui intéresse avant tout dans Jacques-Séphane Alexis, c'est l'univers, personnage lié que le créé, situation dramatique lié, et surtout regard que le gagne à la fois sur société là, et plutôt sur lui-même. Les nègres sont d'une drôle de race, irréductibles, secrets, têtus. Les souffrances les ont coulés dans un métal. Il y a sous leur nonchalance apparente quelque chose qui ne faiblit pas et qui s'allume quand on croit que tout est mort en eux. Je me crée effectivement puis Jacques-Séphane Alexis parce que premièrement son grand amateur nouvelle que Mie. Et puis je me trouvé que Jacques-Séphane Alexis était seul écrivain haïtien qui était vraiment travail nouvelle. Là. Donc je me trouvé que c'était une manière pour me rendre hommage à grand écrivain ça. L'Artibonite, ce grand gaillard aux bras noueux et puissants, est fils des montagnes. Comme les vrais montagnards, il a le port altier, la démarche brutale, la voix vaste des colères froides et orageuses. La faiblesse et l'ignorance des hommes a peur du monstrueux boa liquide qui se balance par monts et par plaines. Les paysans lui jettent des fleurs, du miel, des gâteaux, du vin et des liqueurs fortes pour le saouler et se le rendre favorable. Froid, dédaigneux, nonchalant, il roule ses pépites d'or, ses bulles de lumière,
et ses pierres rideaux. Rares sont les nègres qui chantent avec une voix de métal aussi royale que celle de l'Artibonite. J'ai connu Jacques à la fin des années 50, disons vers 56-57, et l'on se rencontrait très souvent pour parler théâtre. Jacques a écrit une lettre à mes amis les peintres, une lettre que tous les artistes devaient lire. Je n'ai aucune qualification particulière sur le terrain des arts plastiques, mais j'aime beaucoup la peinture. Elle m'a procuré des joies, non pareilles. Je pense que c'est pour des gens comme moi que vous avez choisi d'être peintre. Un autre texte important, c'est celui où il consacre Cédor, le plus grand artiste haïtien, parce que Cédor, selon lui, répondait à son idéal. Chanter les beautés de la patrie haïtienne, ses grandeurs comme ses misères, avec le sens des perspectives grandioses d'avenir que lui donnent les luttes de son peuple. Atteindre ainsi à l'humain, à l'universel, à la vérité profonde de la vie. Nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur ce qu'a dit Jacques, parce que Jacques restait dans une optique très staliniste de la peinture. Et c'était vraiment le réalisme socialiste, où les œuvres d'art étaient classées à partir des thèmes. La beauté des formes n'y est pas une donnée convenue, une fin première. Mais l'art haïtien y atteint par tous les biais, même celui de la dite laideur. Cet art ne recule pas devant la difformité, le choquant, le contraste violent. Il aboutit à un nouvel équilibre, plus contrasté, à une composition aussi harmonieuse dans son contradictoire, à une grâce tout intérieure, née du singulier de l'antithétique. Quoi, on n'avait pas, par exemple, dans la littérature haïtienne, le correspondant de ce qu'était la peinture. Hein, cette sorte de ce qu'il appellera le réalisme merveilleux. Hein, c'est-à-dire à la fois cet hyper-réalisme, mais ce merveilleux permanent. Comment les deux se mélangent. Guyenne est venu en Haïti, invité par Jacques Roumain. En 1942, et il a été suivi en 1943. Cette fois, c'était sur l'invitation de Pierre Mabille par Aléo Carpentier. J'étais lycéen encore. J'étais, par curiosité, écouter Aléo Carpentier et j'en suis revenu absolument émerveillé, c'est le cas de le dire, parce que le thème de la conférence, c'était le réel merveilleux américain. Nous avons assisté à chaud à la création du concept de réel merveilleux américain, parce que pour la première fois de sa vie, Aléo Carpentier lui-même, après un voyage inoubliable dans le nord d'Haïti, où il avait découvert toute l'histoire du roi Christophe, est revenu avec la conviction qu'il existait un réel merveilleux et qui, à ses yeux, avait des fondements particuliers, presque le berceau même du réel merveilleux en Amérique, c'était Haïti. Qu'est-ce donc le merveilleux, sinon l'imagerie dans laquelle un peuple enveloppe son expérience, reflète sa conception du monde et de la vie, sa foi, son espérance, sa confiance en l'homme, en une grande justice, et l'explication qu'il trouve aux forces antagonistes du progrès. Le merveilleux implique certes la naïveté, l'empirisme, sinon le mysticisme, mais la preuve a été faite qu'on peut y envelopper autre chose. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il a quand même une polémique avec Aragon. La fameuse polémique avec Aragon, où Aragon défend le réalisme socialiste du bec et des ongles. Je pense qu'Aragon sous-estime dangereusement l'apport du talent individuel dans la création des formes artistiques. Depuis quand, pour l'humanisme nouveau, l'apport individuel, en quelque domaine que ce soit, constitue-t-il quelque chose de négligeable, voire même de coupable ? J'affirme que nier la nécessité de l'individualisme sur le plan formel aboutirait à stériliser la création esthétique. Pour celui qui comprend intimement l'humanisme nouveau, il ne saurait y avoir de contradiction insoluble entre son individualité et la collectivité, entre l'individu et la société. Donc il y a déjà un Alexis qui prend une certaine distance après, avec justement l'orthodoxie du réalisme socialiste. Le véritable manifeste du réalisme merveilleux, selon Jacques-Stéphane Alexis, c'est quand même dans le roman de Chéreau aux étoiles qu'on va le trouver, ou c'est dans certains passages des arbres musiciens, et des passages notamment
où on passe du domaine de l'écriture de la fiction à l'écriture, je dirais, argumentative, avec des interventions d'auteurs dans lesquelles, effectivement, il prend place et il est dans le déclaratif. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on est peut-être dans ce que lui entendait comme manifeste du réalisme merveilleux. Allons, vieux hableur, fou à la bouche musicienne. Vois, les étoiles clignent leurs yeux pour la veillée. Allons, vieux menteur, allons, tireur, ne te fais pas prier. Les contes, et vous le savez, se changent en tigres dévorants si la lune n'a pas encore battu la paupière. Il n'est pas tout à fait temps, mes cœurs. Ainsi dit toujours le chanteur des carrefours, le compose des veillées et récitant des contes enchantés. Regardez, le serin tombe drûment en fines aiguilles dans le cou. Viens sous le péristyle, griot. Il est temps. Je dirais que Les Arbres Musiciens, c'est son livre le plus politique. Dans Les Arbres Musiciens, qui sera publié après, on a ce retour à une terre, mais pas la même terre que précisément celle de Jacques Roumain. On a une terre qui est celle du mythe. Alexis, en même temps, se rend compte que, étant donné qu'il est quelqu'un qui vient d'un pays du tiers-monde noir, il ne peut pas se contenter du réalisme socialiste. Et il va vers le réalisme merveilleux. Quand Alexis en présente les principes à Paris, il insiste, oui, sur ce substrat merveilleux, imaginaire, et le fait qu'il faille dépasser nos sens. Mais il me semble que dans cette communication-là, à ce moment précis de l'histoire, il a insisté sur la dimension sociale. Pas besoin d'une œuvre littéraire, monsieur, il y a un pile invective. Ça veut dire que je jouerai en pile en œuvre, ou bien personnage, je jouerai en pile en œuvre. Même Jean, Jacques Sévène Alexis, l'a parlé dans la vie publique, lui. Monsieur considérait qu'il y a des gens qui sont les ennemis du progrès. Monsieur parlait avec eux, clairement, en tant qu'ennemi. Il s'agit vraiment d'un combat sur autour des croyances, des valeurs, hein, de la société haïtienne. Et donc, on se bat, c'est presque une lutte idéologie contre idéologie, hein, qui se passe à l'intérieur de ça. A fait des bagages zombies, loup-garou, wanga, ou joigne à virer ton néon, ou joigne l'élément réaliste ça. Et paradoxalement, alors que le vaudou est souvent mis à contribution là-dedans, je trouve qu'il le met. Il le met à contribution, mais dans des termes souvent idéologiques. Les lois étaient amalgamées au corps de la nation. Ils fécondaient la terre comme le mâle fertilise la femelle. Leur souffle venait de partout, dans les savanes, dans les vallées, dans les plaines et carrefours. Ils s'infiltraient partout, dans toutes les cours, dans tous les foyers, se glissant dans les consciences. Mais que font-ils les enfants de la remembrance? Ils pleurent, ils gémissent, ils maudissent. Il supplie les lois et se résigne. Moi, je ne peux plus me résigner et répéter que le bon Dieu est bon, que les lois sont nos pères et la remembrance est éternelle. Les Arbres Musiciens aussi sont livres intéressants, surtout pour ironie acide, Alexia, vous venez là, sur la politique. Le foisonnement, par exemple, qu'on a, l'exubérance qu'on a dans Les Arbres Musiciens ou bien même dans L'Espace d'un ciment, c'est ce qui va faire sa différence, par exemple, avec un Zola. Le foisonnement qu'on trouve dans Zola, c'est le nord très froid et très, comment je pourrais dire, glacial de la France, les milieux ouvriers. Mais moi, je trouve que le roman vraiment décisif par rapport à l'avenir de la littérature, c'est L'Espace d'un ciment. Qui donc recueillera ce reste de virginité qui paradoxalement s'est conservé? Car c'est le spirituel. La force du rêve têtu, une secrète virginité du cœur qui, au long des années, ont protégé l'élasticité de cette chair, le marbre de ses seins et la grâce impubère qui subsiste sur toutes les glantines de ce corps malheureux. Pour écrire quatre œuvres majeures, dans littérature, où Neglio pas habitué à écrire de façon si concentrée, publiée par la plus importante maison d'édition de langue française. C'est-à-dire que c'est des mondes qui ne pas publier monde tout de suite. Ça veut dire que Mounio était impressionné. Mais il est publié dans une collection prestigieuse chez Gallimard, la collection blanche, où je viens d'être publié. Parce que lorsque publions un livre qu'à Gallimard, ou publions l'autre deux ans plus tard, ou rencontrez tout le monde qui a écrit le livre tout, qui n'a pas besoin de paraître. Donc,
toujours un petit sourire à Alexis parce que lui, il faisait. Général Soleil est un grand nègre. C'est l'ami des pauvres nègres, le papa. Il ne montre qu'un seul œil jaune aux chrétiens vivants. Mais il lutte pour nous à chaque instant et nous indique la route. De même qu'il gagne sans cesse contre la nuit. De même qu'il arrive à arracher à l'année une saison qu'il domine. Les travailleurs peuvent changer les temps et arracher une saison de vivre sans misère. Le général Soleil, qu'est-ce que j'ai cherché, bon Dieu ? Ce qui m'a impressionné chez Alexis, en dehors de son œuvre elle-même, qui est ce qui reste, c'est ce mouvement de balancier permanent, de départ, de retour, de moments où tout semble s'effondrer et puis tout renaît. J'étais, mettons bagaille, au-dessus de la littérature, qui est le bonheur du prolétariat à l'époque. Plus il s'engage dans le combat politique, plus parallèlement il s'engage dans la concentration littéraire. Et ça, je trouve ça assez... je trouve peu d'exemples de gens qui ont fait ça, parce qu'à un moment, les deux se rapprochent et puis se mêlent. Alors, tout ensemble, Alexia, qui a un défaut et qualité, qui l'est même partout, c'est un style qui est flamboyant. C'est un discours politique qui, des fois, plombe œuvre là. La misère est une femme folle, vous dis-je. Je la connais bien, la garce. Cette femelle enragée est la même partout. Hilarion est foutre dehors, poussé par la faim, le grand goût, comme une bête. Hilarion était dehors, gens de bien, gens comme il faut. Bon chrétien qui mangeait 5 fois par jour, fermez bien vos portes. Il y a un homme qui a grand goût, fermez vous dis-je, mettez le cadenas. Un homme qui a grand goût, une bête est dehors. Il a apporté quelque chose dans cette veine. Donc de ce qu'il appellera le réalisme merveilleux. La nuit tropicale fardant le paysage. La nuit tropicale vorace et perfide. La nuit qui fait danser les hommes et les choses. La nuit pleine de zombies et d'étoiles. Des portraits qui passent et qui dansent, falots et troubles. Jacques-Stéphane Alexis cherche à concentrer une bonne partie de cet héritage, de réinvestir dans ses textes l'héritage du roman on pourrait le dire, du roman indigéniste paysan transparaît dans Gouverneur de la Rosée, et en même temps on passe à un autre cap. Ce qui est extraordinaire dans Compère Général Soleil, on a à la fois le souvenir de l'idylle paysanne avec son effondrement, et en même temps on est dans le roman urbain. Compère Général Soleil gagne presque 3 calibres son chef d'œuvre. Claude Roy dit que son chef-d'œuvre au 9/10, donc dernier 10e qui était là, c'est discours politique qui est un peu trop lourd et qui fait que la vie datée quand on compte tout ça qui a passé dans le pays communiste après. Dans Compère Général Soleil, là, Alexis prend une série de périodes de société haïtienne côté une grosse crise qui t'a sévi. Étudier le moment de crise, les faire ouais dans le moment de crise. Qui moun, qui des héros, qui capable, qui en mesure offrir yo peuple là yo alternative pour le bataille pour Haïti meilleur. Je crois qu'on ne peut pas le comprendre si on ne lit pas Compère Général Soleil, parce que c'est un livre fondateur pour lui, fondateur pour la littérature haïtienne, même s'il y a l'héritage de Roumain, qui est d'ailleurs un des personnages de Compère Général Soleil. Les peuples sont des arbres qui fleurissent malgré la mauvaise saison. Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir. Roumain est une immortelle qui fertilise nos ramures par son amour universel. Tous les grands haïtiens qui fleuriront désormais sur notre sol ne pourront pas ne pas lui devoir quelque chose. Alexis a été un brillant théoricien
du réalisme merveilleux. Si on s'en tient aux quelques phrases qu'on ramasse un peu souvent, on en fait là aussi une catégorie. C'est vrai qu'il y a le texte grandiose prononcé à la conférence de 1956 des prolégomènes. Et on oublie toujours qu'il s'agit de prolégomènes et pas du manifeste. C'est ce qui pourrait rendre possible l'écriture du manifeste. C'est ça qui est admirable chez Jacques-Stéphane Alexis. On en fait une sorte de militant complètement verrouillé et installé dans ses certitudes. Quand on prend l'espace d'un ciment, c'est déjà quelqu'un qui a pris distance et avec le réalisme socialiste et avec le réalisme magique. La Niña Estrellita, c'est tout cela. Toutes les pestilences des chiens crevés. Mais c'est aussi une ultime, précaire, mourante, mais toujours précieuse musiquette de parfums sans espoir. Parfois, elle tombe en chute libre. Elle dégringole vertigineusement. Le petit ballon se sent mourir. Il touche le fond de tous les abîmes, le gouffre de la mer angoisse. Il est perdu? Il a sombré? Non, miracle! Un tout petit coup de vent, le ballon s'élève, il monte, monte en plein ciel bleu. L'espace d'un cinéma, pas très l'espace d'un cinéma, c'était la rose des yeux. On dit t'as pas le pré-avion le matin, mais faut une jeune, on va au bagage. Et puis, je viens de songer en poésie que tu connais pour moi en espagnol, qui dit en un abri, serrer de os. Il dit bon, ok, voilà. Et puis, c'est ainsi qu'en passant à Paris pour changer d'avion, il tout bas, et tout ça, et puis Gali m'a dit oh, oui, il est très commercial, parce qu'il dit que le premier titre va être commercial. Cette communion inclue avec le lecteur, lorsque tu lis ce défilé des cinq sens. Oh, El Caucho, seras-tu un chulito doux et dur, bon, tendre et ferme pour la Niña qui t'a espéré? Je me suis demandé comment on pouvait écrire un roman aussi beau. Parler d'amour de cette façon, dans cet environnement. Romanzo aux étoiles sont très jolis livres, de nouvelles, les fêtes en cum d'ado, entre sommeil et éveil, comme sont en suspendu lié. L'espace d'un ciment, pour moi, reste quand même l'œuvre qui m'a le plus touchée, personnellement. Ce soir, El Caucho se sent une âme de volontaire pour le voyage vers la lune de la belle amour humaine. C'est l'espace d'un ciment, pour moi. Qui est capitale. C'est l'œuvre où orchestration Alexia complète. Je me suis joint au style, un contenu subversif. Je crois que c'est la première fois que un roman haïtien passé dans le bordel. À la première lecture, on se rend compte qu'il y a cette magie qui s'opère, une association de mots que j'ai retrouvée nulle part ailleurs. 9 ou 10? Non, elle a dû se tromper. Ça doit être 10 heures qui viennent de sonner à l'horloge de Sainte-Anne. On n'a pas entendu tenter celle de l'hospice Saint-François et de l'asile français. Avec tout ce tintouin, pétard continuel, reprise nerveuse des moteurs, des freinages subis, abois rageurs de klaxons, tambours exaltés, tout proche, mêlé de l'immense allaitement de la mer, on n'arrive pas à distinguer grand-chose. On a tous un lien particulier avec l'espace d'assillement, qui est un livre qui fait une espèce de jonction, je dirais, entre la littérature des années 50 en Haïti, disons de la première partie du XXe siècle, et puis la littérature de la fin du XXe siècle, voire même du XXIe siècle. C'est vraiment le livre qui est le pivot entre ces deux époques de la littérature en Haïti. C'est déjà un écrivain beaucoup plus libre dans son écriture. C'est quelqu'un qui s'essaie déjà au monologue intérieur, par exemple, quand on prend l'espace d'un cinéma. Et à l'époque, dans l'univers francophone, c'était pas encore une technique très, très qu'on essayait beaucoup, c'est les anglo-saxons qui sont venus avec ça. Et à l'intérieur de bagailles que haïtiens, dans l'époque là et jusqu'à aujourd'hui, toujours un rapport très, très pintade avec sexe, limité, et un discours politique. Oui, un écrivain n'est pas seulement fait de ses admirations, il n'est pas seulement fait de ses lectures. Un écrivain, c'est effectivement quelqu'un qui réécrit, mais c'est aussi quelqu'un qui explore des chemins nouveaux. Et moi, c'est cette dimension-là que je maîtrise beaucoup plus chez Jacques-Stéphane Alexis. C'est cette dimension-là aussi qui m'intéresse beaucoup plus. Ce qui me plaît chez Alexis, il me fait penser à une phrase de Kateb Yassine qui disait que la langue française est notre trésor de guerre. Quand on lui reprochait d'écrire en français et en français littéraire. Il y a par exemple Kateb Yassine
qui a aussi cette magie du verbe et une poétique toute particulière qui implique son identité propre d'Algérien, qui engage tous les voyages qu'il a fait autour de la Terre et qui crée un style très particulier. Jacques Stéphane Alexis, son esthétique, elle est de ce niveau-là. Je suis dans une bonne mesure héritier de la vieille Europe, de l'Espagne et de la France surtout. Et si j'ai choisi sans équivoque les familles humaines qui m'apparaissent comme les plus proches de moi, la famille nègre et la famille latino-américaine, avec une égale détermination, je ne suis nullement disposé à rien renier de mes origines. Pour Alexis, et là encore, me retourner sur l'affaire système, non. L'OAP écrit, c'est pas écrit à Capboto, c'est au même cap géré écrit. Même quand la CAIM, monsieur, on pouvait des phrases qui partent à fini, on pouvait et bon, abondance, mais abondance ça, luxuriance ça, qui vont venir, ou venir quand il est question du rêve d'avenir et quand il est question de montrer les bons côtés ou les belles pratiques dans la société. Barthe dit par exemple que la littérature fait tourner tous les savoirs, mais n'en fixe aucun. En ce sens, oui, il y a ce côté personnage truculent, tellement érudit que ça paraît dans le texte. Je pense que Jacques-Stéphane Alexis, son écriture est d'une précision chirurgicale. C'est-à-dire que chaque mot est mesuré. La portée de son écriture, elle peut parler à un être humain dans le monde, peu importe son origine. Il comprendra le propos d'Alexis et il aura la possibilité de s'y retrouver. Quand je suis arrivée à l'âge adulte, j'ai compris l'importance que ces livres soient disponibles moins pour les Français que pour les Haïtiens surtout. C'était ça mon souci. Et pour ça, ma mère a été un exemple pour moi parce que c'est un exemple d'éducation. Quand on a comme ça des enfants qui appartiennent à plusieurs mondes, ce qui est le cas de moi et de mon fils aussi, puisque mon fils est à moitié sénégalais, je pense que ma mère m'a permis de marcher sur mes deux jambes. Elle m'a permis d'aimer ma partie française comme ma partie haïtienne. Et même si de l'extérieur, je sais que c'est quelque chose qui déstabilise beaucoup et les Français et les Haïtiens, elle m'a permis de le vivre harmonieusement et d'être fière de mes deux origines et de les vivre pleinement avec tout ce que ça a pu m'apporter. Et ça, c'est ma mère qui m'a donné ça parce que mon père n'était plus là. Donc, pour revenir à la publication de cette préface, j'étais amie avec Antoine Gallimard, qui n'était pas encore le grand éditeur et le grand patron des éditions Gallimard qu'il est devenu aujourd'hui. J'ai parlé avec lui et je lui ai demandé si on pouvait penser à rééditer mon père en collection de poche, parce que mon idée c'était que les jeunes puissent s'acheter les livres, donc il fallait que ce soit des livres pas chers. Donc il m'a donné son accord. Alors je me mets en quête de préfacier, je vais voir Senghor, je vais voir Glissant, Baldwin, qui sont tous des gens qui avaient connu mon père pendant le congrès des écrivains artistes noirs en 1956 à la Sorbonne à Paris. Je me rapproche même de Césaire, mais j'ai pas trop osé lui demander. Il m'a beaucoup intimidé, donc je suis restée, enfin, on s'est intimidé, parce que Césaire était un homme finalement assez réservé aussi. Bref, je n'arrive pas à trouver de préfacier. Et Antoine Gallimard me dit, mais de toute façon, c'est toi qui dois écrire cette préface. Et j'éclate de rire. Je lui dis ça, tu oublies ça, il n'en est même pas question. Je n'aurais jamais la prétention, je n'oserais jamais écrire pour introduire un texte de mon père. C'est impossible. Et là aussi, j'ai une dette de nouveau envers un écrivain haïtien que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jean Métellus, et qui était un ami très cher qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et je raconte cette histoire à Jean, qui me dit, mais si tu veux, ma petite chérie, je t'écris la préface et tu la signes. Que quelqu'un veuille me tenir la plume, m'écrire à ma place, et qu'en plus j'ai le droit de mettre mon nom après sur un texte que je n'ai pas écrit. Ça m'a vexé. Et je pense pas que c'était l'objectif de Jean du tout. Il l'avait dit avec beaucoup de générosité, de gentillesse. Et je me suis dit, faut que je me jette à l'eau, faut que j'essaye. Et voilà. Et j'ai écrit la préface pendant la nuit. Dans la nuit qui a suivi. Préface célèbre également. Ah bon? Ouais. Qui est Jacques Stephen? C'est une sorte de d'esprit lui aussi, hein, né de cette terre d'Haïti. Ah, Alexis m'a bouché un coin quand il a sorti son petit carnet. Il me dit, voici les 40 prochains livres. Je dis, même Jacques, comment c'est possible? Je vous jure, il y avait 40 titres. Alexis avait en tête 40 titres futurs.
qu'il voulait écrire. Papa mourut il y a 9 mois. Donc, c'est pour ça que au début, ce tombé était très difficile. Moi, au début, on avec papa. Ça qu'on a affecté, ça qu'on fait me crier, vous voyez, parce que son expérience que je n'ai pas moi-même. Et comme ma mère m'élevait avec difficulté, on a entretenu des relations avec Gallimard. Maman avait essayé de voir comment on pouvait débloquer un petit peu d'argent pour mes études, etc. Un jour, on a croisé Aragon et ma mère va vers Louis Aragon et se présente. Et elle dit, voilà, on cherche à avoir des informations, est-ce que vous pourriez nous aider? Et Louis Aragon, de façon très théâtrale, il dit à ma mère, mais ma pauvre, Jacques est mort. C'est comme ça qu'on a appris la mort de mon père. À l'époque, ça a dû être un choc, mais je ne peux pas décrire ce que ça m'a fait. Sinon que c'était d'une violence extrême. Le déroulement était un déroulement mondain. Et c'est Aragon qui a publié le facsimilé de ce journal, qui était, je crois, le journal du Parti d'Entente Populaire, et puis qui a fait une double page dans les Lettres Françaises, où il racontait notre rencontre avec beaucoup de lyrisme, en se donnant le beau rôle et en expliquant à quel point c'était merveilleux de nous avoir rencontrés dans ce couloir, voilà. Il a aimé que je nous garde le papa. Jeunesse là, nous reconnaissons que papa me sonne guider mes pays qui était quoi et la capacité haïtienne. Donc, je crois que jeunesse là, vous vraiment penser à un retour à l'agriculture, à la terre pour nous planter, pour nous produire. Condition, monsieur, mourir. Son condition exceptionnelle, puisque il mourit pour idèle. Donc, en ce sens, je pense que oui, Jacques, c'est une exception. C'est un grand chagrin pour ce Cuba. On parle général Sol. Le Abgadi, qui offre une condition cubaine. Regardez, bon, en Europe, comment va y passer, vous posez peut-être un pile question. Si nous regardons par exemple à passer Cuba, qu'après 60 ans de révolution cubaine, Cuba pensait que la meilleure façon pour la révolution cubaine évoluer, c'est accepter, développer un secteur privé. Contrairement à la théorie qui était à la mode en 59-60, que l'État doit contrôler l'économie de manière générale et qui pourrait provoquer plus tard l'écroulement du système soviétique. Donc, qui est-ce qui a raison? Et nous sommes en 59 avec Jacques Alexis. C'est sa position sur la révolution haïtienne que lui dit que la révolution haïtienne n'est pas une révolution pour le socialisme ou bien contre le capitalisme. C'est une révolution pour libérer le peuple haïtien de la misère. Nous t'ai toujours dit, il faut que Patti Jacques là, il faut que l'idée Jacques là, que l'idée qu'elle développe, que l'idée ça vive, que l'idée ça ait fini en réalité. Il aurait conservé les idéaux communistes et aussi, et je crois qu'il a été dans ce sens-là, communiste en plein terme, parce que nous l'avons dit, qui a allié l'action à la théorie. Mais je dis, ça nous est que gagner un gros amertume. Amertume parce que, pas seulement, nous pas atteindre l'objectif, nous. Mais c'est quand nous voyons comment l'idée ça, qui était l'idée socialisme, l'idée justice sociale et nouvelle indépendance, hein, eh bien, l'idée ça, en pile l'autre pays qui est censé te bataille pour même l'idée ça, et qui ont même triomphé, comment ils dévoyaient. Et Alexis déjà le pensait qu'Haïti avait besoin d'être refondé dans cette structure, puisque c'est un pays qui n'était pas arrivé, après 2 siècles d'existence, à constituer un État digne de ce nom. Il n'est pas fait pour vivre dans le monde dans lequel nous vivons là. Sous plan pratique, pour regarder la situation du pays, on peut encore avoir classe ça, pour comprendre qui pourrait faire alliance avec paysannien dans l'Italia pour ta dire mon cher pour moderniser le monde rural là qu'on y est. Si Jacques-Stéphane Alexis, à nos yeux, n'avait pas des anecdotes à raconter, au moins la moitié du personnage serait vidé de sa substance. Moi, Jacques Roujan est facile. Parce que Roujan, mon personnalité aussi transcendante que Jacques.